Alors, chers compatriotes, Bandegonabiso, Mbotenabino Panso, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Alors, ce soir, je reviens vers vous, chers compatriotes, pour vous parler d'un sujet qui me préoccupe et qui va également vous préoccuper. Chers compatriotes, car il s'agit de ce que nous appelons en lingala les Kamboyamabele. Voilà, chers compatriotes, nous sommes encore dans la fièvre de la victoire de Mwanamboka de Père de Mer, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a démontré, nous l'avons vu, il n'y a pas match. Ceux qui ont menacé de marcher, de riposter à leur façon, alors qu'il y a des voies légales, des voies de la justice, bon, n'ont pas réussi. On n'entend plus parler d'eux. Voilà. Chers compatriotes, je viens vous parler aujourd'hui des propos de Corneille Nangaa. Il se fait appeler maintenant colonel Corneille. Colonel Corneille. Ça rime, hein? Colonel Corneille Nangaa. Il est habillé en militaire, on le voit là, dans un buisson. Est-ce la vérité ou est-ce qu'il frime? Parce qu'il a prouvé qu'il peut mentir. Ça fait longtemps qui ne fait qu'aboyer comme un chat. J'ai dit aboyer parce que il y a un dicton qui dit que le chat aboie, la caravane passe. Il avait dit que les élections n'auront jamais lieu. Il avait également dit qu'un certain jeudi, le président de la République ne sera jamais élu président. Il ne sera plus président le jeudi. Ce jeudi-là est passé. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, bon, il vient nous dire qu'il se trouve à Rutshuru, il n'est plus en exil. Comme il est venu là, nous pensons qu'il est passé par Bunagana, donc par l'Ouganda, pour entrer en territoire congolais. Et c'est là que je trouve les félicitations de Yoweri Museveni comme des félicitations hypocrites. Il a permis que le colonel autoproclamé Corneille Nangaa passe par l'Ouganda pour arriver dans le territoire de Rutshuru, comme il le dit lui-même. Est-ce vrai?
Est-ce qu'il est sur le territoire de retour? Parce qu'il a déjà prouvé qu'il peut mentir. Mais alors, s'il ment, s'il profère des propos dont il est incapable, est-ce qu'il a une bonne santé mentale? Est-ce qu'il n'est pas, il n'est pas incité par sa rage de vengeance parce qu'on lui a ravi des carémiers? Il ne sait plus exporter de l'or pour son ami ou son frère Paul Kagame. Il est en colère, quelqu'un qui agit par colère comme ça, est-ce qu'il va atteindre son but? Il parle du peuple, du peuple, du peuple. Quel peuple? Quel peuple qui est pour lui? Depuis que le président de la République a été proclamé officiellement vainqueur de l'élection et donc réélu président de la République, il n'y a pas de contestation visible qu'on voit. Il n'y a que des scènes de liesse dans tout le pays, y compris dans le Katanga, y compris dans les espaces où le président Tshisekedi n'a pas été bien élu. Il a quand même été élu dans ces contrées-là. Et dans ces contrées-là, ces territoires-là, il y a eu des liesses de joie. On a fêté dans tout le pays. Alors, il va compter sur quel peuple? Il se trompe d'époque, hein? Il pense qu'il va faire comme à l'époque où Laurent Désiré n'était pas, était devenu un peu dictateur et que certains peuples ne voulaient plus de lui. Bon. Ou parlons carrément de Mobutu. Mobutu, le peuple ne voulait plus de lui. La preuve, les Kadogo, quand ils venaient, ils ne trouvaient pas d'opposition. Ils sont arrivés même sans combattre jusqu'à Kinshasa. Ils pensent que c'est ça. Le peuple congolais veut de Félix Tshisekedi, il l'a prouvé. Il est de père et de mère, l'enfant du pays, un démocrate. Il y a liberté d'expression. Et il y en a qui ont même versé dans le libertinage. Et certains, ça leur coûte aujourd'hui la prison. Et vous les connaissez, ceux qui sont en prison à cause du libertinage. La justice les a rattrapés pour outrage. Comment on dit? Outrage. Outrage au président, voilà, je le dis en termes simples, voilà. Le terme juridique, je ne sais plus. J'ai oublié. Chers compatriotes, je pense que Corneille Nangaa a besoin de se faire soigner. Lui qui a détourné des sommes énormes, de l'argent qu'on lui avait donné pour acheter les machines à voter. Il partait, il se rendait en Corée du Sud, il achetait à un autre prix. Il revenait avec des factures majorées. Le président Félix Tshisekedi l'a même traité de voleur. Et c'est lui maintenant qui traite notre président de voleur. Ce n'est pas normal. Donc, c'est une situation personnelle qu'il veut rendre maintenant populaire. Il a la rage de se venger parce qu'on lui a ravi. On lui a ravi les cariminiers. Il ne va pas réussir. Et même,
Le pays est très bien préparé. Si vous entendez le président Tshisekedi parler de cette façon-là, que si j'apprends qu'il y a une balle qui a été tirée par l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo, comme il l'appelle, et même s'il apprend qu'ils ont occupé un village, un territoire, eh bien, il va réunir les deux chambres du Parlement, donc le Sénat et la chambre basse du Parlement, pour obtenir la permission d'attaquer le Rwanda. Et je pense que le moment est arrivé. Et chers compatriotes, je vais vous faire ouïr la colère du président. Je vais vous faire entendre la colère du président. Et ensuite, vous faire entendre les menaces du colonel autoproclamé Corneille Nangaa quand il dit qu'il est à Rutshuru. Donc, il occupe déjà le territoire. Donc, je pense qu'il est temps de ne pas prendre à la légère. Parce que quand il crée l'alliance au Kenya, quand il dit que il est maintenant l'allié du M23, c'est lui qui chapeaute, c'est une alliance, le président de cette alliance-là, c'est lui. Il chapeaute l'alliance, il chapeaute d'autres milices, je ne sais lesquelles, il chapeaute le M23, c'est lui le patron. Alors, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et pourquoi il appelle ça l'alliance du fleuve? Veut-il dire l'alliance de tous les ennemis, tous les rebelles qui habitent le long du fleuve? Ah oui, parce que nous savons que au Congo, c'est toujours le long du fleuve, hein. Les ennemis qui sont à Brazzaville, c'est toujours le long du fleuve. Veut-il attaquer Kinshasa à partir de Brazzaville? Il vient de la part de Kagame. Je pense que je vais épouser les idées du patriote Mubenga TV, le Congo est à nous, qui insiste, qui dit que nous devons attaquer les premiers. Nous devons attaquer les premiers. Pas besoin d'envoyer des troupes. Il est là avec son alliance, il est à retour. Nous attendons quoi? Et Mubenga n'est pas le seul à le dire. Regardez seulement les commentaires sur Internet, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Les Congolais veulent que le Rwanda soit attaqué. Il est grand temps que le président, en attendant la prestation du serment, il est toujours président, donc il peut réunir les deux chambres et prendre cette décision de déclaration de guerre, hein. Nous n'allons pas attendre que le Rwanda nous attaque. Si Nanga parle avec ce ton, un ton rassurant, un ton de menace, qui est derrière? Nous savons que derrière, il y a Paul Kagame, il y a William Ruto du Kenya, il y a Museveni. Il ne faut pas s'en cacher, et c'est la vérité. Et nous le savons. Ah bon, ils ont félicité, mais c'est de l'hypocrisie, hein? C'est de l'hypocrisie. Le président a dit que oui. Il montre cette hypocrisie, après il le poignarde dans le dos. C'est ça qu'ils sont en train de faire maintenant. Il ne faut pas prendre au sérieux leurs félicitations. Au président de la République, nous vous félicitons pour votre réélection, patati patata. Oui, bon,
Poliment, on accepte, mais tout en sachant que ces gens-là sont des menteurs, sont des hypocrites. Ils ne pensent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne le pensent pas. Et qui sont derrière le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda? Ceux qui sont derrière, c'est les Occidentaux. Et quand je dis les Occidentaux, c'est les puissantes multinationales. Parce que c'est les multinationales qui dirigent les pays. C'est les multinationales qui dirigent les États-Unis, qui dirigent la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Ils sont puissants. Ils pèsent dans les décisions de ces gens-là. Voilà, Kagame, c'est un criminel. Un criminel comparable à Hitler. Notre président l'a comparé à Hitler. Il est responsable du génocide congolais. Il y a plus de 12 millions de morts. On n'a jamais vu ça nulle part dans le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale, chers compatriotes. Et voilà ce qui me préoccupe ce soir, chers compatriotes, avec tous les autres compatriotes du pays. C'est que les éléments sont réunis maintenant pour réunir les deux chambres du Parlement et décider d'attaquer le Rwanda. Ils vont continuer à nous tuer jusqu'à quand? Voilà, chers compatriotes, je vous laisse écouter d'abord ce que le président a dit quand il était l'invité de Top Congo FM avec le journaliste Christian Lusa Kweno. Écoutez. Ensuite, je vais vous faire écouter ce que Nanga fait sortir de sa bouche. C'est en lingala, mais il y a une personne qui est en train de traduire. Vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on en est? L'Alliance du fleuve Congo. L'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Ça. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis la chambre, les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous allez malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la chambre sera réunie en congrès, les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et je dis, je fais feu. Monsieur le On Président, parle, et on je a. suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça, c'est. Vous avez entendu, chers compatriotes. Donc, il n'y a plus de raison de se retenir encore ou d'attendre ou de prolonger pour attendre encore plus longtemps le moment de l'attaque. Hein. Corneille Nanga est là. Son alliance, là, ce truc-là, comme il appelle l'alliance du fleuve Congo, ils sont là. Il est à Rutshuru. Il a dit qu'il est là. Il est au Congo et il est déterminé à arriver jusqu'à Kinshasa. J'espère que en ce moment, les services de sécurité se sont déjà rendus dans la zone. J'ai appris que la SADC se trouve déjà là. Bon, ce n'est pas publié dans les médias traditionnels, mais ceux qui sont sur le terrain et quelques youtubeurs disent que les Wazalendo encerclent Rutshuru et que la SADC serait déjà déployé là-bas. Bon, on ne peut pas tout dire, hein.
Je sais que les services secrets militaires savent ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Il faut rien rater. Hein. Alors, chers compatriotes, vous avez entendu, hein, le président est déterminé. Ne soyons pas distraits par la fièvre de la fête pour la victoire. Donc, pensons toujours à ça et rappelons au président de la République et aux autorités compétentes que Corneille Nangaa, chien qui aboie ou pas, il ne faut pas prendre à la légère ce qu'il dit. Et il faut considérer qu'il y a, s'il parle ainsi, il y a des gens derrière lui. Il y a trois pays déjà derrière lui. Le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda, où il a une résidence luxueuse à côté de la résidence de Paul Kagame, comme nous apprenons. Et j'apprends également que la femme de Corneille Nangaa est aux arrêts, avec son frère de gouverneur qui est retenu à Kinshasa. Bon, il faut beaucoup fouiner là-bas. Il faut saisir tous ses biens, ses hôtels et consorts. C'est un criminel. Il faut l'empêcher d'avoir des revenus pour faire sa guerre, hein. Voilà, chers compatriotes, vous avez entendu le président. Je vais maintenant vous faire entendre Corneille Nangaa lui-même proférer des menaces. Des menaces contre la patrie. Et nous lui disons non. Il parle du peuple. Quel peuple? Il n'a pas de peuple. Voilà. C'est un laquais de nos ennemis, un laquais des Rwandais. Écoutez, chers compatriotes. Mes chers compatriotes congolais, j'ai le plaisir de m'adresser à vous pour vous dire que nous sommes actuellement à un moment déterminant pour le pays. Aujourd'hui, vous êtes invité à suivre les résultats dits provisoires des élections présidentielles. C'est une comédie de Chilombo. Cela ne nous concerne pas et nous n'allons pas l'accepter. J'étais en exil. N'ayez crainte. Aujourd'hui, je suis en RDC. Je suis rentré pour me battre. Il est dit en français, seule la lutte libère. La lutte libère. Ne jamais croire que ce sont les Américains qui viendront nous libérer. Nous ne pouvons nous libérer que par nous-mêmes. Levez-vous, n'ayez peur de rien. Félicitations et courage aux habitants de Ikela, de Bunia et de Katanga, où le gouvernement a envoyé des escadrons de la mort. Ne craignez rien. Je suis déjà au Congo. Nous sommes là avec nos alliés. Nous sommes dans la lutte. J'arrive. Nous allons nous diriger vers la capitale Kinshasa pour chasser Tshilombo. Félix me connaît bien. Tu me connais très bien, Félix. Retiens que tu n'es plus président de la République. Je connais d'où tu viens. Tu es un aventurier. Tu es un frappeur. Les artistes ont chanté sur ça. Tous les Congolais le savent presque. Tu es un détourneur de fonds publics et surtout tribaliste. Mais tout ça, c'est fini. Nous sommes debout. Tous les Congolais se sont levés. Ensemble, nous venons pour te chasser du pouvoir. Chers compatriotes, ça ressemble à du théâtre de chez nous, hein? Mais il ne faut pas prendre ça à la légère, hein? Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il a gardé une barbe de maquisard, il ne s'est pas rasé. Il s'est habillé en militaire, casquette, et il s'est autoproclamé colonel. Et voilà, il est en train de menacer, il parle du peuple, tout le peuple.
tout le peuple s'est levé, tout le peuple est debout. Je sais pas, il dit quelque chose de ce genre-là. Il parle de quel peuple? Il parle de quel peuple? Il n'a pas vu l'élan de joie de tous les Congolais dans tout le pays. Les Congolais sont derrière le président, mais ils ne regardent pas le score. Analyse seulement le score. 73,34%. Bon, je ne sais pas si ça s'est déjà modifié. J'ai entendu parler de 72%. Mais c'est toujours dans les 70%. Et la deuxième personne, le candidat des étrangers, lui-même aussi étranger, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'épreuve qui le démontre. Son passeport zambien, etc. Il est arrivé avec 18%. Vous voyez l'écart? Et tous les autres avec des 0,0. Et d'autres avec des 0,0 et ensuite des chiffres après. Donc il n'y a pas de discussion à faire là-dessus. La majorité, la grande majorité du peuple est avec le président. Ce n'est pas tout simplement un vote, c'est un plébiscite. Voilà, chers compatriotes, comparez les deux situations, ce que les dires du président de la République et les menaces de Corneille Nanga. Je pense qu'il faut lui... Il faut le gifler, hein. Maintenant, il faut le rechercher. Donc, il faut augmenter les troupes dans le Rutshuru, le saisir avec la main. Et c'est le Rwanda. Il est là, il a pris un territoire, le président l'avait dit, et maintenant, il est temps de penser à réunir les deux chambres du Parlement. Ne soyons pas distraits, on a gagné bien sûr, mais bon. Ça y est, il est toujours président. Hein. Le 24, le jour de la prestation du serment, hein. Il peut toujours agir maintenant parce qu'il est toujours président de la République. Et ce Parlement-là, il ne peut prendre fin qu'à l'élection des autres députés. Et je peux également vous informer que il y a eu report de la publication des résultats des législatives, puisque nous parlons du Parlement. La CENI accuse un grand retard de compilation des procès-verbaux. Alors, il y a Denis Kadima qui demande aux candidats députés et consorts de prendre patience. Alors, dans le communiqué de presse numéro CENI / 2024, c'est comme ça que c'est écrit. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, porte à la connaissance de l'opinion publique que la convocation de l'électorat pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province initialement prévue le 1er janvier 2024 d'une part, et la publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux prévus le 3 janvier 2024, d'autre part, sont reportés et seront organisés dans un meilleur délai.
ce report, bon, on dit que c'est reporté sine die, mais il dit bien que ce sera organisé dans un meilleur délai. Ce report se justifie par la compilation en cours des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales ainsi que celles des conseillers communaux du 20 décembre 2023. Donc les compilations sont en cours. La CENI invite les candidats députés nationaux et provinciaux ainsi que les potentiels candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province à la patience. La rédaction, c'est foxtime.cd, un bon média. Voilà, chers compatriotes, là-dessus, nous clôturons toujours dans la joie, parce que nous sommes toujours dans la fièvre de la victoire. Et nous clôturons par un pas de danse. Et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mabogo pembe.